Salut à tous, c'est Eric le coach Galaga Music. C'est ma rentrée des tutos piano et je voulais commencer avec un peu de classique aujourd'hui en vous expliquant un morceau qu'on m'a demandé quand même pas mal de fois. Il s'agit de la très très fameuse Marche turque de Mozart. Alors on a bien entendu tous et toutes l'air en tête, mais ce qu'on sait souvent moins, c'est qu'elle fait partie d'une sonate, la numéro 11 exactement en La majeur, et qu'elle en est le troisième mouvement. Donc si jamais vous en avez la curiosité et que vous vouliez écouter les deux mouvements qui le précèdent, je vous ai mis un lien dans la boîte de description. Autrement, au niveau de l'écriture, cette pièce a été composée sous une forme rondo allegretto. Autrement dit, ça va vite, il va vous falloir des doigts bien costauds pour arriver à jouer tout ça. Alors évidemment, c'est pas la pièce la plus évidente, surtout si vous démarrez le piano. En revanche, en travaillant avec méthode, c'est-à-dire lentement, mains séparées, il n'y aura rien d'impossible. Alors je vais évidemment pas vous expliquer la pièce en entier, ce serait bien trop long. Ce que je vais m'attacher à faire par contre, c'est vous montrer comment jouer ce que vous avez entendu dans la démo du début. Et il y a déjà de quoi faire. Et dans ce tuto, c'est la première fois que je le fais, je vous ai tenté une petite innovation en gardant à l'écran, durant les explications, une vignette où on me voit parler. Je me dis que ce sera peut-être plus convivial que d'avoir juste une voix et des doigts qui vous expliquent comment faire les choses. Bref, n'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous a plu, dans ce cas-là, je garderai l'idée. Bon bah c'est pas le tout, on a du taf, alors avant d'oublier, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et puis allez hop, au boulot. Alors pour bien travailler un morceau au piano, il faut toujours travailler mains séparées. Surtout si c'est un morceau classique dans lequel il va y avoir pas mal de difficultés à droite à gauche. Donc c'est ce qu'on va faire là sur déjà les 8 premières mesures. On va voir la main droite et après la main gauche et ensuite on va mettre les choses mains ensemble. Alors pour vous aider à vous y retrouver, j'ai dessiné ici un point vert qui nous indique où se trouve le do du milieu, c'est le do dit serrure. Il va bien nous être utile puisqu'il va faire partie de notre premier accord. Le premier accord qui va couvrir les 4 premières mesures donne ceci, la, do, mi. Il s'agit d'un accord de la mineur. Oui, bravo, vous l'aviez reconnu. La mineur étant la tonalité de notre morceau, ça tombe bien qu'on démarre avec. Ok, bon, une fois qu'on a repéré l'accord, on est content. Alors voici comment jouer les 4 premières mesures. Alors c'est presque toujours pareil, mais évidemment, il y a des petits changements inattendus. Donc dans la première mesure, et la deuxième mesure d'ailleurs, on va taper le La avec le 4, d'accord? Je vais lier cette note à l'arrivée du Do Mi, c'est-à-dire je vais pas piquer cette première note, pas ici en tous les cas. Je la garde bien enfoncée, et ensuite, tac, dès que je joue Do Mi, je pique les notes. Piquer, c'est staccato, c'est quand on appuie comme si vous vous brûliez sur les touches. 1 et 2 et 1 et 2. Et pour que ce soit bien dynamique, n'hésitez pas à appuyer un peu plus fort le premier temps. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et voilà. Donc les deux mesures d'affilée vont donner uniquement 1 et 2 et deuxième mesure. Dans la troisième mesure, c'est là évidemment qu'on fait déjà un petit changement. On va tout piquer ce coup-ci, même le La, la première note. Donc troisième mesure va donner 1 et 2 et. Voilà. Je vous fais, et donc la quatrième mesure, tant qu'on y est, c'est pareil que les mesures 1 et 2. Je vous refais ces 4 premières mesures. 1 et 2 et deuxième mesure. Je pique tout, mesure 3 et 4. Mesure 4. Formidable. Bon, que se passe-t-il maintenant à la main droite? Alors, on va démarrer sur un Si qui se trouve à cet endroit-là, quasiment une octave au-dessus du Do du milieu. Et on va mettre le quatrième doigt dessus pour faire la fameuse phrase. Alors, je joue Si avec le quatrième doigt, La avec le 3, Sol dièse avec le 2. Et c'est là qu'il ne faut pas se gourer, je vais placer mon pouce par-dessous l'index pour rejouer le La. Si, La, Sol dièse, La au pouce. Quand je place mon pouce en dessous, comme ça, je ne tourne pas le poignet, vous voyez? C'est vraiment, hop, l'air de rien. Parce qu'ensuite, on a besoin d'aller chercher le Do avec le 3, voilà. Donc ça, c'est la toute première mesure qui précède même l'arrivée de la main gauche. C'est ce qu'on appelle une mesure en anacrouse. Elle n'est pas complète, elle ne fait que un temps au lieu de deux. Elle lance le truc, ça sert à ça l'anacrouse. Et j'aime bien faire cette blague, mais anacrouse, non, ce n'est pas la sœur de Tom Cruise. On rigole bien ici, hein. Alors, Si, La, Sol dièse, La, Do, formidable. Une fois que vous êtes bon là-dessus, vous allez refaire le même délire, mais en partant du Ré ce coup-ci. Ré, Do,
si, et je passe à nouveau mon pouce par-dessous, sur le do, et je vais chercher le mi. Yes. Si, la, sol, la, do, rien. Ré, do, si, do, mi. Ça déjà, vous le faites, vous le faites tourner en boucle plein de fois pour l'avoir, pour être sûr que votre pouce ne fait pas bouger votre poignet ou votre avant-bras et tout ça. Ok, ensuite, on va faire encore une fois le même truc. Fa, mi, ré dièse et mi au pouce à nouveau. Donc c'est trois fois le même principe de motif avec le coup du pouce qui passe en dessous. Je vous fais ces trois premiers motifs et on fait la suite. Si, la, sol, la, do, rien. Ré, do, si, do, mi, rien. Fa, mi, ré dièse, mi. Ensuite, je vais tirer mon quatrième doigt jusqu'au si. Et là, je vais faire si, la, sol dièse, la, si, la, sol dièse, la, do. Voilà. Et là, il nous manque après, la, do. Cool. Là, on a fait les quatre premières mesures. Je vous refais depuis le fa, quand ça faisait. Fa, mi, ré dièse, mi, si, la, sol dièse, la, si, la, sol dièse, la, do. Et la, do. Cool. Il faut refaire ces quatre mesures et on les fait mains ensemble. Ah, pas trop vite. Si, la, sol, la, do, rien. Ré, do, si, do, mi, rien. Fa, mi, ré dièse, mi, si, la, sol dièse, la, si, la, la, do, oh, la, do. Cool. Comment ça se passe? Les mains ensemble. Alors, la main gauche, je la replace correctement sur mon la, do, mi. Comme on avait dit, d'accord, tout va bien. Et la main droite commence toute seule, puisqu'elle commence en Anna Cruz. Tom Cruise. Alors, si, la, sol dièse, la, do. C'est comme ça que ça doit démarrer. La main droite toute seule sur les quatre premières doubles croches. Si, la, sol dièse, la. Et dès que je joue le do à la main droite, j'attaque le la à la main gauche. 1 et 2 et 3 et 1. Voilà. Si vous avez ça, déjà, vous êtes bien parti. Je refais pas vite. Si, la, sol dièse, la, do et la à la main gauche. Ensuite, je pique mon do mi. Quand je retape mon do mi, c'est là que je fais la phrase numéro 2 à la main droite. Ré, do, si, do, mi. Ok. Si, la, sol, la, do, tac. Ré, do, si, do, mi. Voilà. Ce qui risque de vous embêter, c'est que la main gauche, quand elle est piquée, la main droite a envie de piquer aussi. Mais non! Justement, il faut essayer de bien garder le poids des doigts de main droite au fond des touches pendant que l'autre, elle fait autre chose. Pas pianiste qui veut. En fait, il faut juste bosser, hein. Rien, pas de mystère. Si, la, sol dièse, la, do, tac. Ré, do, si, do, mi, c'est long, pique. Et après, fa, mi, ré dièse, mi. D'accord. Après, je vais attaquer mon si à la main droite avec le la main gauche. Et je vais mettre à nouveau deux notes de main droite pour une note de main gauche. Si, la, sol, la, si, la, sol, la, do. Ok. Si, la, sol, la, si, la, sol, dièse, la, do. Je vous refais ces quatre mesures pas vite. Si, sol, dièse, la, do. Ré, do, si, do. En bas. La, do. Voilà. Vous n'hésitez pas à fractionner votre travail, parce que rien que ça, il y a quand même un petit peu de mise en place déjà. Et vous le bossez vraiment pas vite. Je pense que je l'ai déjà dit trois fois depuis le début, mais je vous le redirai peut-être même 30 fois d'ici tout à l'heure. Du coup, une fois qu'on a fait notre histoire, la, do, on voit ce qui se passe dans les quatre mesures suivantes de main gauche. On était là-dessus, donc dans notre la mineure, tout va bien. Ensuite, on va tirer le petit doigt sur un mi, à cet endroit-là, une octave en dessous. Et je tape mon mi piqué, suivi de si mi, trois fois de suite. D'accord ? Donc ça, c'était la mesure, donc ça, c'est la mesure 5 et aussi la mesure 6 d'ailleurs. 1 et 2 et à nouveau, et 2 et. Ok ? Je refais du coup les 6 premières mesures depuis le début. 1 et 2. Ensuite, je tire. Mi, si,
et pour terminer, à nouveau mi, si, 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 mi. Ah ah! Donc les mesures 7 et 8, je démarre pareil que les deux précédentes, à savoir mi, si, mi, et après je bouge mon petit doigt. Une carte en dessous pour jouer le si qui va être piqué, si au pouce à l'octave, et mi, j'ai terminé ma partie A. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yes. Et quand vous allez taper, donc ça c'est ce qui suit l'accord de la mineur, vous tapez bien fort votre premier temps. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Voilà, on veut une attaque sforzando à cet endroit-là. Avec la main droite, ça prendra tout son sens. Alors justement, à cette main droite, pendant le puits, tac, tac, la main droite va faire ça. Alors je vous mets déjà la méthode facile. Alors normalement, ça donne ça. Ce que je vais faire, je vais vous ôter dans la première méthode le petit... ce petit truc-là, d'accord? Ce qu'on veut, les notes réelles de notre histoire, c'est si au quatrième doigt là-haut, si, après fa dièse la, après mi sol, re fa dièse la, et on refait pareil. Si, fa dièse la, mi sol, fa dièse la, et je refais 1, et, 2, et, voilà. Donc ce truc-là, on a deux mesures d'affilée. Si je devais le jouer avec la main gauche en main, à ce moment-là, elle fait ça. Et bah du coup, 1 et 2 et 1 et 2 et, ça fait très joli. Donc dans les deux dernières mesures, on va repartir sur un si à nouveau, suivi de fa dièse la, mi sol, c'est tout pareil, sauf qu'après, ré dièse fa dièse avec 2, 4, d'accord? Mi sol, ré dièse fa dièse, et je termine sur un mi avec le troisième doigt. Voilà, avec ça vous savez faire toute la partie. Encore cette main droite, si, fa dièse la, mi sol, fa dièse la. Deuxième mesure pareil. Voilà, et la fin, ré dièse, fa dièse, mi, super. Mains ensemble. La main gauche, elle faisait ça. Deuxième mesure pareil, on attaque bien fort le premier temps. 1 et 2 et 3. Voilà. Les deux mains ensemble. Attention. Voilà. Faut bien faire gaffe à cette mesure 7 quand la main gauche elle bouge sur le si. Voilà. Vous voyez, tout est piqué. Voilà. Je vous rejoue toute cette partie A et après je vous montrerai juste comment on fait le petit, le vrai texte là avec cette méthode là. Donc déjà, si vous avez ça, vous avez 95% de cette partie A. Hein. C'est très bien. C'est parti. Si. La, sol dièse, la, do, pique, ré, do, si, do, fa, mi, ré, si, la, sol dièse, la, si, la, sol, la, do, la, do, 1, je tape fort, et la fin. Un peu plus vite. Je vous montre le petit bidule. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'attaquer le premier temps directement avec le 4, comme ça, eh ben, je vais jouer sol la hyper rapide. En fait, c'est un peu comme si je m'étais gouré de touches et je faisais une espèce de petit slide comme ça. Sauf que, bah non, à trois doigts, c'est mieux. D'accord? Voilà. Et ce sol là doit partir avant l'arrivée du premier temps à la main gauche. À la main gauche, normalement, on a le mi plus le si. C'est ce qu'on avait fait. Eh ben, il faut que ce sol là, il parte un tout petit chouï avant. Avec ça, vous avez le texte original.
Alors, partie B, que se passe-t-il? C'est celle-là, vous savez. Donc, la main gauche d'abord. Je vais démarrer mon petit doigt sur un Do, une octave en dessous du Do du milieu. Je vais faire Do petit doigt, Do pouce. Ensuite, Mi petit doigt, Mi pouce et Sol. Donc, 1 et 2 et 2. Voilà. 1 et 2 et 1 et 2 et. Et je refais ça une deuxième fois. 1 et 2 et 1 et 2 et. Ensuite, donc ça, c'est les quatre premières mesures. Tant qu'à faire, je vous montre la suite. On va descendre du Do sur un La au petit doigt. Et on va faire les mêmes écarts. C'est comme une marche d'harmonie. La, La, Do, Do, Mi. D'accord ? La, La, Do, Do, Mi. Je vous refais ces 8 premières mesures. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Je descends là. 1. Chaque fois, j'attaque bien mon premier temps pour que ce soit vraiment dynamique. 1 et 2 et 1. 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 Okay. On verra ensuite les nuances. Il y a des endroits où on fera plus fort et d'autres moins fort. Déjà, les notes et les doigtés, c'est déjà bien. Là, main droite, on va démarrer sur un Do Mi. Donc, une octave au-dessus du Do du milieu. Et on va faire ça. Do Mi avec pouce 3. Ensuite, Ré Fa. Avec 2, 4. On pique ces deux-là. Do, Mi, Ré, Fa. Ensuite, Mi, Sol. Je monte en tierce, du coup. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol. D'accord ? Mi, Fa, Sol. Le Mi, Sol, c'est mon premier temps. Dès que j'ai joué Mi, Sol, je rejoue Mi, Sol, mais avec pouce 3. Parce que sinon, on n'aura pas les doigts. On n'aura plus de doigts pour faire la suite. Donc, Do, Mi, Ré, Fa. Mi, Sol avec 3, 5. Mi, Sol avec pouce 3. Suivi de La, Sol, Fa, Mi. 4, 3, 2, 1. Après, je vais passer par-dessus comme ça. Je ne veux pas que votre main ou votre coude fasse ça. Hein. Je passe par-dessus, c'est tout genre « Oh, je m'élance oh !» Et si Ré, avec 2, 4, suivi du Sol. Voilà. Si vous avez ça, vous avez compris le principe de ce passage-là. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Fa, Mi. Wouhou ! Si Ré, Sol. Je refais pareil. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol. Mi, Sol avec pouce 3. La, Sol, Fa, Mi, Si, Ré. Voilà. Alors ça, c'est les quatre premières mesures. Il me manquait un petit bout à la fin, mais c'est pas grave. Mains ensemble. Do, Mi. Donc la main gauche, ça se met bien sur un Do, petit doigt ici. Et c'est parti. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol avec le Do. Voilà. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Mi, Sol. La, Sol, Fa, Mi, Ré, Sol. D'accord ? Donc quand vous faites la descente du La, Sol, Fa, Mi, la main gauche doit jouer Mi en même temps que le La, le Sol tout seul. Pendant que la main droite jouera le Fa, la main droite, même si ça fait chelou, c'est normal. Ça fait chelou, mais ça dure pas, alors ça va. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Si, Ré, Sol. Et je redémarre. Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Si, Ré. Ensuite, vous souvenez, la main gauche, elle descendait sur un La. À la main droite, elle allait faire La, Do, Si, Ré, Do, Mi à nouveau avec pouce 3. D'accord ? La, Do, Si, Ré, Do, Mi, même chose. Fa, Mi, Ré, Do. Je saute à nouveau par-dessus en allant chercher ce coup-ci. Wouhou ! Sol, dièse et Si. Mi. D'accord ? Donc genre, La, Do, Si, Ré, Do, Mi, Do, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, dièse, Si, Mi. Et je reviens une deuxième fois ça. La, Do, Si, Ré, Do, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, dièse, Si. Trop, trop bien. Alors, je vous reprends la mesure, fin de mesure 4, quand ça fait La, Do, Si, Ré, et ensuite la main gauche attaque le La. La, Do, Si, Ré, Do, Mi, main droite. Do, Mi à nouveau. Je tape mon Fa, je joue Do à la main gauche. Fa, Mi, Ré, Do. Je passe par-dessus, faire de Sol, Yes, Si. Ma main gauche joue un Mi. Yes. À nouveau ça. La, Do, Si, Ré, Do, Mi. Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Yes, Si, Mi. Je redémarre. La, Do, Si, Ré, Do, Mi,
Do, mi, fa, mi, ré, do, si. Et voilà, et là on en est à peu près à, allez, 90% de mon objectif de partie A et partie B. C'est pas beau la vie des fois quand même, hein. Alors, je vous le refais, cette partie B, pas vite, voilà. Alors, do, mi, ré, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi, si, ré, sol. Je redémarre, do, mi, ré, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi, si, ré, et la, do, si, ré. Je descends sur un, la main gauche, et fa, mi, ré, do, sol, dièse, si, mi, la, do, si, ré, do, mi, do, mi, fa, mi, ré, do, sol, dièse, si. Voilà. Donc globalement dans ce passage, comme les phrases elles sont doublées, la plupart du temps on fait plus fort la première fournée et moins la suivante. Genre fort. Pas fort. Fort. Et une fois que vous êtes là, vous allez être content. Contentait aussi. C'est que ça redémarre comme au début. Si, la, sol, dièse, la, do. Tout pareil. Ça, on adore. Mais il fallait bien que ça change avec un accord trop stylé. Je le kiffe, celui-là. Je ne sais pas d'où il l'a sorti. J'ai toujours du mal à l'analyser. Mais en tous les cas, il est très réussi. Et c'est la fin qui fait. Voyons cette fin tranquillos. Donc là, on est sur les 2, 4, les 5 dernières mesures de la partie B. Donc on avait terminé, on reprenait comme la partie A, donc on était sur notre la do. On fait celui qui est piqué complètement. Et voilà la nouveauté, je vais chercher fa avec le petit doigt suivi de la, ré dièse. D'accord, c'est lié, pic, pic, pic. Ensuite, mi, suivi de la, mi. D'accord, mi, la, mi. Ré, petit doigt, fa, si. D'accord, mi, la, mi, ré, fa, si. Ok, je reprends depuis l'accord. Appelons-le accord magnifique. Accord magnifique, fa, la, ré dièse. Ensuite, mi, la, mi, ré, fa, si. Okay. Ensuite, do, mi, quasiment fini. Ré, fa, si. Je vous le refais. Accord magnifique. Fa, la, ré dièse. La, la, mi, ré, fa, si. Do, mi, la, ré, fa, si. Et enfin, le finish. Mi, la avec pouce 4. Mi, sol, dièse avec 4, 2. Et je finis sur la, la, octave. Et là, on est super bon, les amis. Alors, cette main gauche, cette partie-là, faut vraiment la connaître par cœur, limite se regarder. Ah, je sais plus la fin. Tel est pris qu'il croyait prendre. Voilà. Alors, vous le fractionnez. Quand vous avez des grandes phrases comme ça, essayez pas de faire tout d'un bloc. Vous le chopez juste. Et je redémarre. J'ai fait deux mesures. Et j'en rajoute un petit, histoire de dire. Et vous grattez du terrain comme ça. Ok. Donc pendant que la main gauche fait cet accord magnifique, à la main droite, on va avoir un Do au petit doigt. Et la fin de phrase, elle est facile à retenir. De toute façon, tout le morceau, on l'entend bien, donc c'est un peu plus simple de s'y retrouver. Ça donne La, Si, Do, avec 3, 4, 5. La, Si, Do. Ce Do, je l'attaque bien fort, c'est le premier temps. La, Si, Do, Si, La, Sol dièse avec le 2. La, à nouveau derrière. La, si, do, si, la, sol, la. Ensuite, mi au pouce. Après, 4 sur le fa. Fa, ré, do. D'accord. La, si, do, si, la, sol, la. Mi, fa, ré, do. Et puis, on aura ce qu'on appelle un tri à la fin. C'est-à-dire, on va jouer le si. Donc, je passe mon 2 par-dessus. Et on va jouer rapidos. D'accord. Si, do, si, do, si, do, si, la, si, la. Alors, ça, on va voir comment ça se place avec la main gauche. Déjà,
Donc je reprends depuis accord magnifique, parce que j'ai pas les numéros de mesure, alors je suis embêté. Donc Fa main gauche, Do main droite. 1. Voilà, bah ça, vous serez bon pour le bosser vraiment, comme je vous l'ai dit, fractionné. On a fait mi la mi la. Je vais attaquer mi sol, dièse. Pendant que je tape mon mi sol, je joue mon si. Alors, vous allez me faire ça. Si do si do si la. Donc, si do si la. Si do si do si la. Voilà. Je vous refais toute la partie B, puis après je vous l'enchaîne un petit coup du début, et on aura terminé pour aujourd'hui. Alors, partie B, Do Mi, donc Do Mi Ré Fa et Do Do à la main gauche. Fort la première fois. Premier temps. Moins fort. Mais toujours la petite impulsion sur le premier temps. Fort. La moitié. Voilà, et ça redémarre. Magnifique. Et voilà, je vous le refais du début à tout petit chouïa plus vite quand même, et puis voilà. Donc chacune des parties, la A et la B, normalement, vous la jouez deux fois de suite. Ça fait durer le plaisir, c'est toute la magie des répétitions. Pour le travailler, c'est de prendre un métronome et vous augmentez progressivement la vitesse. Vous prenez comme pulsation au début, alors j'ai mis 130, donc non, pas 130. Vous avez essayé genre à 80? Non, 75. Voilà, ça on va dire que c'est l'accroche. Donc la main gauche, 1. Vous essayez de mettre ça main ensemble. 1, 2, que vous l'avez, bah vous augmentez un petit peu, vous montez par exemple à 80, allez, j'en saute un, mais disons 85 tout de suite, vous essayez de voir si vous arrivez à conserver votre débit. Voilà, jusqu'à ce que vous arriviez au tempo final, qui pourrait se fixer aux alentours, disons, de 150 à la croche, hein. Donc genre, chaque croche entendue, il est fou lui. Jouer encore bien plus rapidement, mais franchement, 150 à l'anneau à la croche comme ça vous permettra d'avoir un objectif clair, réalisable. Il n'y a plus qu'à quoi.
Bon, bah écoutez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il a été efficace. N'hésitez pas à commenter hein, pour me le dire. Si le répertoire classique vous plaît, j'ai déjà fait quelques tutos gratuits sur YouTube, je vous les afficherai juste après ça. Et si vous voulez des cours encore plus complets, j'ai sorti 3 packs payants sur le site Galago Music pour apprendre à jouer soit la première gymnopédie de Satie, la lettre à Élise de Beethoven et le menu en sol de Bach. Vous trouverez les liens de tout ça dans la boîte de description, il y a des bandes annonces, il y a tout ce qu'il faut. Allez, je vous laisse, merci beaucoup, bon piano, bonne musique, et puis je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt, ciao.